Nous venons ce matin, quand je dis nous, je parle des cas du COGEP du Nord. Nous venons ce matin, camarade président, pour te dire bonjour. Non seulement pour te dire bonjour, te saluer, mais également te dire Yako. Depuis que tu es arrivé, nous ne sommes pas encore venus te rencontrer, mais nous savons tout ce que tu as vécu depuis l'exil jusqu'à La Haye. Nous venons te dire d'abord Yako. Yako est bonne arrivée. Bonne arrivée chez toi. Camarade président, nous venons ce matin parce que beaucoup de choses ont été dites. À un certain moment, on nous a dit qu'il n'y a que des gens de Guibéroua et Nord et plus loin de l'ouest dans ta direction. Nous sommes venus prouver le contraire. C'est ce pourquoi j'ai demandé que chacun se présente. Nous qui sommes au nord, nous sommes nombreux dans la direction du parti. Camarade président, tu nous as fait l'honneur de faire d'un militant du nord un de tes adjoints. En l'occurrence, la camarade Mariam Olomo, qui est la troisième vice-présidente du parti. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je voudrais qu'on acclame ça. Camarade président, à côté de cela, nous savons que dans tous les partis politiques, la jeunesse est la cheville ouvrière. Et cette jeunesse-là, tu as décidé de la confier à un militant du Nord. Donc au camarade Touré Vème Dubois ici présent. Tout cela témoigne du fait que tu es un penchant pour le Nord, du fait que tu aimes le Nord. Et nous voulons sincèrement te dire merci. L'homme ivoirien, l'homme d'abord, on n'est pas forcément, on n'est pas d'abord le produit d'un parti politique. On est d'abord le produit d'une nation, qui est la Côte d'Ivoire. N'oublions jamais ça. En tout cas, moi, je ne suis pas d'abord produit du COGEP. Et je pense que vous aussi. Vous êtes d'abord, on est d'abord le produit d'une nation qui est la Côte d'Ivoire. Et c'est à un moment donné ou à un autre qu'on fait le choix d'appartenir à un parti politique. C'est pourquoi mon cœur bat au rythme de la Côte d'Ivoire. Je pense que vous aussi. Nos partis politiques ne sont pas le centre du monde. Ce sont des groupements privés. Ce sont des cadres que nous avons mis en place pour pouvoir un jour avoir accès au pouvoir d'État et mettre en pratique ce que nous avons comme vision pour la Côte d'Ivoire. Mais la vie des Ivoiriens ne se limite pas aux portes de nos partis politiques. Souvent, on l'oublie. Et on pense que tout le monde doit réfléchir comme nous. Tout le monde doit penser comme nous. Tout le monde doit voir comme nous. Non, c'est pas comme ça.
C'est pourquoi il faut être ouvert. Et au COGEP, moi, je prends l'ouverture. Parce que tu peux apprendre avec l'autre. Tout comme l'autre aussi peut apprendre de toi. Ceux qui traitent le COGEP de parti tribaliste ne savent pas de quoi ils parlent. Camarade président, nous sommes arrivés, nous savons que tu reçois beaucoup d'hommes ici. C'est vrai que tu dis aux gens que tu es éleveur de moutons. Donc nous sommes venus avec un bélier pour que tu puisses recevoir les invités qui passeront te dire bonjour. Même si tu n'as pas porté caméra présent, si tu as approché, on sait que tu vas te rappeler de lui. Rejoignez-nous au COGEP.